Fait que dans le fond, pour faire la web diffusion, parce que nous, on est quand même seté dans notre équipe de vidéo. On a notre vidéaste. Je sais que ça prend quelqu'un pour le montage. On ne l'a pas, mais c'est pas grave, on va trouver. Oui, on a Marie-Jo aux répétitions. Ouais. Guillermo peut faire la musique encore. Oh, oui. Karen soutient. Sonia, vidéaste. Mais nous, un peu scénariste ou whatever, on va travailler avec l'équipe. Mais oui, ça prend plus de monde de l'extérieur parce qu'on est de l'intérieur. On ne peut pas voir non plus, mais surtout pour diffuser. Oui, moi, c'est la partie que je ne sais pas qui fait quoi, puis ça prend combien de personnes pour s'en occuper. Parce que c'est toujours nous qui l'avons fait, nous-mêmes. Bonjour, Nicolas. Ça va bien? Ça va, oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Cool. Vous regardez votre vidéo? Oui, bien, on avait filmé ça à Anjou en 2020. On ne l'a jamais présenté, en fait. C'est comme... Il n'avait pas web diffusé non plus. Non. On est comme pris avec cette version-là qui n'est pas mauvaise, mais il faudrait quand même le refilmer. Ouais. De repartir de zéro avec un diffuseur, puis tout ça. Oui, puis savoir qui s'occupe diffuseur, de quoi. Ouais, diffuseur ou pas, là, mais oui, absolument. Ça serait à partir de quand qu'on aborde la question de la web diffusion avec un diffuseur? L'erreur, souvent, c'est que la question est abordée trop tard. Okay. Puis là, finalement, ça devient comme une labeur pour tout le monde puis un stress qui s'ajoute. Et le mieux, c'est de le prévoir le plus tôt possible, de le financer pour que tout le monde soit payé dans ce travail-là. Est-ce que des fois, ben, une diffusion web, ça peut venir directement avec les créateurs et en faire la diffusion sans avoir nécessairement l'institution? Mais ce qui est arrivé pendant la pandémie, puis la raison pour laquelle on parle beaucoup de web diffusion, c'est que les théâtres étaient fermés, les salles de spectacle étaient fermées, donc on n'avait pas d'autre alternative que la web diffusion. Donc tout le monde s'est prêté au jeu. Puis là, tout d'un coup, les salles ont réouvert, puis on est revenu au modèle traditionnel, mais avec 2 ans de retard, des projets reportés, des projets annulés. Donc, si c'était déjà difficile de rentrer dans le jeu de la diffusion, dans le cercle de la diffusion, ça l'est 2 fois plus aujourd'hui. Ouais. Donc, je pense que là, ça va devenir un modèle qui va se développer. Le diffuseur ne veut pas y aider à faire rayonner les œuvres. Mm. Si on enlève le diffuseur de l'équation, est-ce que ça peut être compliqué aussi d'être vu? Ou... Ça devient plus difficile parce que là, soudainement, la compagnie de création devient responsable du rayonnement de la web diffusion. Ouais. Mais il y a des plateformes, bon, comme Cino.tv, puis il va en avoir d'autres, qui mettent en place des outils pour promouvoir. Mais je ne sais même pas si les subventionneurs aident des autoproductions comme ça. Pour avoir siégé sur différents conseils, jurys, ce que je me rends compte, c'est qu'avec la pandémie, la lettre de diffusion, elle est moins importante qu'elle l'était. Okay. Parce que c'est plus tout le monde qui peut avoir une lettre, une promesse de diffusion. C'est sûr. Mais on doit faire travailler les artistes quand même. Mm-hmm. Et si on peut aller chercher des financements en web diffusion pour faire que les danseurs, danseuses travaillent, que les artistes continuent à travailler, ben c'est ce que le gouvernement le fait de plus en plus. Mm. Fait que je pense que ça va se développer, ça va continuer à se développer. Mm. Fait que là, on s'y lance, disons, on part pas en web diffusion parce qu'on a diffuseur, etc. On fait affaire avec qui? Oui, mais c'est que tout d'un coup, il y a une nouvelle équipe artistique qui intervient. C'est une équipe cinéma, avec réalisateur, réalisatrice, DOP, directeur de photo, coordination de production. Puis vous, le plus important, ça va être de voir comment vous allez avoir un impact sur comment ça va être vu à l'écran. Hein? Oui. Donc, c'est super important que vous établissiez un point de contact puis une relation artistique, comme avec un scénographe, mais avec le réalisateur ou la réalisatrice qui va être en charge de créer l'image puis le storyboard. Mais sachez que ça se décide aussi entre l'aiguilleur qui se retrouve à avoir le storyboard, la réalisation de votre web diffusion que vous devez, dans laquelle vous devez vous impliquer. C'est comme avec un monteur. Ce serait c'est un monteur live qui choisit les angles, qui choisit ce que le public voit. Mm-hmm. Et c'est cette personne-là qui stream, qu'on dit, d'où vient le terme streamer, donc qui envoie ça sur le web. Mm-hmm. Mais après, comment ça s'est transmis sur le web? On va avoir un assistant web qui va regarder sur la plateforme pour dire, au son, ça marche pas bien, il y a un décalage, tout ça. Donc, il y a comme quand même une chaîne d'équipe. Ben moi, je me demandais, est-ce qu'il manquait un rôle? Y avait-tu d'autres tâches qu'il faudrait penser? Ben il y a la plateforme de web diffusion qui va accueillir et diffuser sur le web.
Quand vous avez un diffuseur, c'est vraiment le diffuseur qui va sélectionner la plateforme parce que la plateforme est souvent aussi un système de billetterie. Mm-hmm. Eux, ils vont offrir le service de billetterie, ouais. Puis ils vont offrir le salon de visionnement web. Ouais. Et là, si vous n'avez pas de diffuseur, ben là, il y a comme une panoplie d'options qui s'offrent à vous. Vous pouvez diffuser directement sur YouTube, faire des Facebook Live et tout ça. Mais ça, ça ne vous offre pas un système de billetterie. Mais maintenant, vous allez avoir des plateformes comme le Point de vente, y en a plein, qui sont plateformes de web diffusion et système de billetterie. C'est vraiment cool parce que nous, on a d'autres projets, fait que ça nous donne vraiment des idées de comme faudrait le faire avec ces billetteries-là. Donc, c'est vraiment hot. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Ça vous a. Ben, c'est cool de te voir, Stéphane. Très content de te voir aussi, c'est super. Carrément. Ouais. Tout le monde te connaît dans le milieu. Tu es diffuseur. Nous, ça nous intéresse de mettre un projet en ligne, mais on ne connaît pas exactement les enjeux. À quoi s'attendre quand on approche la web avec une œuvre? Je veux dire, là, en gros, là, la responsabilité des artistes, dans votre cas, par exemple, ça va être effectivement tout le travail du contenu, puis de voir au niveau la réalisation et tout ça. Puis absolument, les diffuseurs, bien, nous, on diffuse. Ouais. Donc là, la différence, c'est qu'au lieu que ce soit dans une salle de spectacle, ça va être effectivement sur le web. Donc, notre travail, ça va être de s'assurer d'avoir, supposons, de trouver une plateforme, une plateforme qui peut être un collaborateur. Et puis après ça, nous, ça va être de faire la publicité autour de, finalement, de votre web diffusion. Moi, j'avais une question sur, justement, la diffusion en ligne. Est-ce que t'as remarqué, l'engouement par rapport à la diffusion en ligne, par rapport, en comparaison avec en salle? Là, on est dans une période de transformation. Pendant la pandémie, il y avait un engouement parce qu'effectivement, il n'y avait pas de spectacle en salle. Ouais. Là, on a un retour à la vie normale. Donc là, c'est sûr que là, dans notre cas, nous, on fait sold out parce que les gens ont le goût aussi de revenir en salle. Et là, dans le futur, là, c'est là qu'on va voir. Je pense que moi, je crois à l'hybride. Je crois que l'existence des deux. Moi, j'allais justement demander si soit les artistes ou le diffuseur arrivent avec le plan de faire les deux à la base, au lieu que le web soit un bouée de sauvetage parce qu'on ne peut pas avoir de spectateurs. Est-ce qu'on souhaite à chaque fois, et est-ce que c'est financièrement possible aussi, de faire en personne et sur le web, ou ça dépend chaque artiste, ça dépend la possibilité du diffuseur? Moi, je pense qu'avant tout, ça part toujours, pour moi, des artistes. Mm-hmm. Les artistes, ils doivent effectivement travailler le concept, puis de dire qu'est-ce qu'on a le goût de faire, puis c'est quoi nos besoins. Mm-hmm. Après ça, effectivement, tu vas approcher, supposons, une boîte de production, tu vas voir au niveau de ton équipe de réalisation, puis après ça, tu vas voir ton diffuseur. Mm-hmm. Le diffuseur, absolument, lui, va dire, moi, effectivement, le projet ressemble à ça, on va le diffuser sur telle plateforme, puis là, après ça, il faut qu'on voit est-ce qu'il y a un spectacle en salle, donc là, c'est d'autres enjeux aussi. Donc, ça part toujours du projet, de votre projet, de vos intentions. Puis je pense que la web diffusion, c'est pas juste une question de dire, c'est un spectacle dans une salle de spectacle, mais c'est avant tout une œuvre. Puis comment on met cette œuvre-là, effectivement, de l'avant? Puis nous, notre travail, c'est s'assurer, effectivement, de rejoindre le public. Fait qu'en dehors de rejoindre une communauté virtuelle, est-ce qu'il y a d'autres avantages que tu n'as pas mentionnés pour faire une web diffusion? Les avantages d'être avec un diffuseur, c'est que, premièrement, on est habitué, on fait déjà des relations publiques ou des relations médias ou du placement média aussi. Donc, on le fait pour la salle. Donc, là, on va le faire aussi pour la web. Puis, l'autre avantage aussi, c'est que c'est la billetterie. Donc, si on veut un revenu de billetterie, bien, nous, on a un système aussi. Mm-hmm. Donc, on a, une plateforme, une collaboration avec une plateforme qui nous permet de web diffuser, mais on a notre système de billetterie. C'est vraiment intéressant. Je me demande si on va voir plus de danse dans différents médias même. Dans l'avenir, oui. Mais je pense que, artistiquement parlant, comment rendre ça stimulant? Ouais. Mm-hmm. Là, c'est ça. Faut pas oublier que c'est un médium qui s'ajoute. La réalisation va faire partie de l'œuvre. Ça fait partie de nos questionnements. Exactement. Moi, je pense que ça va être les prochaines étapes. Sortir le spectateur ailleurs. Exactement. Ouais. L'amener ailleurs, en tout cas. L'amener ailleurs. Ouais. Tu nous as amené ailleurs, Stéphane. C'est cool. Super. Oui, merci vraiment.